Bonjour et bienvenue, nous sommes repartis pour plus de Assassin's Creed Odyssey. J'aime beaucoup les détails sur les armures. Genre on voit qu'elle est sale, parce que c'est une vieille armure et tout ça. Par contre la coiffe elle est super stylée. Ça va, j'aime bien. Ah, c'est quoi le mode photo? Je me rappelle plus. C'est quoi les touches? Je crois que je les ai jamais. Je l'ai jamais su en fait. Mode photo. Ah oui, c'est les deux joysticks. J'ai cru que c'était Start et Select, mais non. Là, voilà. Je vais voir comment déplacer, comment pivoter. Oh mon Dieu, c'est de la merde. Comment on baisse? Déplacer, changer de mode, défilement grille. Comment on va vers le bas? Bon, on va faire comme ça, quoi. Ah, on peut pas. Il n'y a pas une option pour éviter que le personnage disparaisse. Parce que dans des modes photos qui sont très bien faits, il y a ça aussi. Parce que oui, quand on zoome, en théorie, les personnages disparaissent en fait. Donc c'est chiant. Donc des fois, il y a des options pour empêcher ça. Enfin bref. Let's go. Let's go. Ah, oh, let's go Mario. T'es qui toi? Keto, le serpent noir. Aïe, 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 aïe. Alors, n'était pas une excellente mercenaire et se retrouvait souvent dans des situations trop complexes pour elle. Elle vit de son mieux pour s'améliorer, mais comment échapper à ce que réservent les dieux? Pas mal la lance. On va rentrer sur mon terrain de chasse en fait. Je suis là pour la prime sur ta Oui, tête. j'ai compris. T'es pas là pour faire à Miami, quoi. C'est vrai que je lui mets du poison. Bah bon. Pardon, qu'est-ce que tu disais? C'était quoi ta phrase? J'ai pas bien saisi. Pas bien saisi. Je crois que là, on la rend S, quoi, en combo à la Devil May Cry, hein, j'ai envie de dire. Tellement que c'était violent. Alors, le bâton, mais par contre, toi, tu m'as filé une bonne lance. Ah, on va perdre un peu en dégâts de feu, mais on va gagner en dégâts de lance. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est marrant d'avoir une grosse prime, hein. C'est. Les mecs, ils s'arrêtent pas de d'être là, quoi. Je dois me montrer prudent par ici. Là-bas, il y a le mec qu'on doit sauver. qu'on doit sauver, j'allais dire. Ouais, vite fait, quoi. Vite fait. Si je fais ça. C'est débile quand même. Boum. Pas boum. Bah, pour une fois, c'est parce qu'on est vraiment trop loin. Ah merde. Ça a peut-être pas touché en fait. Si. Ah là oui, c'est bon.
Ils s'en foutent ou pas? Ouais, ils s'en branlent complet, les mecs, c'est ouf, quoi. Le marrant. Si on attendait le... Attends, je peux me reposer là ou pas? Ouais. On attend la nuit. Ah, super. Oh mon Dieu, tout ce qu'il y a. C'est qui qu'on doit sauver? C'est lui? Je crois que c'est lui, hein. C'est lui, hein. J'aurais dû... Faut que je regarde les noms. Ouais, c'est lui. J'ai besoin de bras. Rejoins mon équipage. Très bien. Bon, j'avoue, avec l'habilité d'Arès... Bon, après, faut être franc, on n'utilise que des armes de notre niveau. Enfin, de très haut niveau, en tout cas. Bon, on est tout le temps bien à jour, en fait. Point de vue arme, donc bon. Normal aussi qu'on fasse beaucoup de dégâts, quoi. Bah voilà. En plus on est même plus recherché. Très bien. Par contre c'est quoi ça? Les temples? Les tombeaux? Tombeaux de Briso. Merde, pas ça que je vais faire. Vrai tombeau, cool, on va avoir un point d'habilité. À la condition de le trouver. Bon, on va peut-être pas allumer à chaque fois parce qu'on perd un peu de temps. Ah, des fois j'ai envie de bien le faire, mais des fois. Des fois ça prend un peu trop de temps. Putain. Je l'avais pas vu, je pensais que c'était des pièges avec des pics, mais... En fait, non. Oh. Je sais qu'il y a le coffre de l'autre côté.
d'abord faire le tour. Un étage. Putain. Tiens. Oh merde, y en a un derrière moi. Tout le monde a des torches. Tout le monde mérite d'avoir une torche. Voilà. Ah, on peut bouger ça. Intéressant. Pas ça, putain, mais t'es... Non. Oui, mais non, mais non, mais Cassandra, tu fais ta conne aussi. Hein. Tada. C'est marrant, on peut déplacer ça, c'est pourquoi ? C'est pour remonter en fait, j'imagine. Pêche partout. Allez, on se casse. Regarde un peu ce qu'on a récupéré vite fait. J'ai l'impression qu'on monte de plus en plus vite de niveau. Alors, guerrier, moitié dégâts, chasseur. Ouais. C'est assassin guerrier. Ouais, non, on va prendre ça. Très bien. Et on a une aptitude en plus. Un truc qui pourrait être sympatoche. Mettre ça en niveau 2. Passe à 130% de dégâts. Ou alors on met le poison et le feu. Pour avoir deux différents buffs, des buffs. Ah non, on avait dit qu'on voulait tester un peu. On voulait remettre ça au niveau max. Ouais, on va. Sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. D'accord. Ouais, on va remettre ça parce que pendant la nuit, là, on fait plus de dégâts et tout ça, c'est bien. Ok, on monte. Non, on continue de monter.
On a bientôt fini avec cette île. On a bientôt fini, elle était rapide. J'ai envie de dire, le seul fun qu'on a pu avoir, c'est avoir plein de mercenaires qui nous courent après. Mais bon. Mais bon, mais bon. Très bien. C'est comme ça la Grèce, il y a autant d'îles les unes à côté des autres. Putain, c'est abusé quand même. C'est quoi ça? On dirait une arène. Attends, il y a un camp là, juste là. Ouais, tu me marques, merci. Il y a un camp avec des gens. Ah, lui il est... Non, t'es pas légendaire, toi. Non, t'as juste une seule habilité. Je sais pas pourquoi je... Ouais, non, son avatar, il faisait légendaire. Eh, on y va. D'autres. What? Oups. Bon. On va dire qu'on n'a rien vu. Tanière douce, ours perdu. Je crois que je l'ai retrouvé, l'ours. Merde, c'est pas les bonnes flèches. Putain, c'était dur, hein. Ah, je peux pas appeler le cheval. Bon, après, l'ours était sorti, donc oui. Peut-être que, normalement, genre en plein jour, genre, il chasse la nuit, peut-être. Du coup... On l'a pris pendant qu'il sortait. Bon, je sais pas ce qui se passe avec le mec là. Mais bon. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je crois qu'on a fini. Retour au début. Genre. Alors apparemment vous revenez les mecs. Ah, l'oiseau qui attaque maintenant. C'est nouveau ça. Ah.
Ah, l'oiseau, il attaque les humains maintenant? C'est parce que quoi? C'est pas parce que... On est niveau 2 maintenant. Icaros, pour marquer les ennemis auxquels ils essayent, pression augmente au fil des synchronisations au point de vue. Lors du contrôle Icaros, appuyez sur Y pour harceler une cible. Quoi? Lors du contrôle Icaros, appuyez sur Y pour harceler... Sur Y, harcèle une cible. En présence de plusieurs adversaires, Icaros en vise automatiquement un. Et après, niveau 3, c'est... Ah, c'est parce qu'on a fait les synchronisations, en fait. Je crois que c'était 10, un truc comme ça. Pour marquer les ennemis, blablabla, harcèle et blesse une cible. Ah, maintenant, on peut harceler une cible. Comment on fait? Donc, faut le contrôler et faire Y. Pardon. Bah, attends, on va harceler le mec invincible. Et apparemment, il attaque automatiquement aussi. Ou alors c'est parce que... Non, je crois que ça le fait automatiquement. Non, faut maintenir Y. Je l'ai fait pendant le combat, c'est ça? Ouais, je l'ai peut-être fait sans vraiment faire attention en fait. Bon, en tout cas, je crois que la... Où est le coffre? Ah oui, ça c'est, je crois, de la carte qu'on a trouvée. Ouais, on peut aller faire ça, à la limite. Enfin, une lettre, je crois que c'était une lettre. Bon, bah maintenant, l'aigle peut nous aider au combat. Pas nous aider, c'est un grand mot. Hein. Tout va bien. Non, tout va mal. C'est loin de chez loin. Voir si je cible la chèvre. Ah, du combat. Tu veux que je t'aide? Moi ou pas? Bien joué. Bon, je ramasse juste ce qu'il a sur lui. Hein. Ah, il tue des civils et tout, le mec. Et des soldats aussi. Foutu le feu. Oh, elles sont toutes là. Let's go. Enfin, il, elle. Des chasseurs, ça, non? Non. T'es pas mort? Là, tu as trouvé l'archer ou pas? Pourvu que personne ne me remarque. Apparemment, non.
Bon bah très bien. Je pense qu'on a enfin fini. Quand 33. Ah, 4% de probabilité de crit. C'est bien ça. On va perdre de la résistance en fait. Non, je préfère regarder comme ça. Alors, navire. Dégâts de flèche, on se fait récupération d'intégrité après navire abordage. Après, de navire après abordage. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je crois qu'on a vraiment fini. On peut se casser. On a un truc là. On a un mercenaire qui se balade. On a... Ah, ça aussi, ça en fait partie, en fait. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle les îles d'argent. Parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être la grande et la petite là. Genre celle-là. Ça. Mais en fait, non, c'est les deux en même temps. Du coup, on pourrait y aller et faire le combat. On va aller au port pour récupérer notre bateau. Et... Ah, il y a un mercenaire. Donc bon, moi, je dis pas qu'on... Je dis pas non à un combat. Il est où, le port? Normalement, il devrait être devant, je crois. Il est pas là, le mercenaire. En partie sanctuaire, en partie trésor. Je me demande s'il reste de l'argent aux habitants de Delos. Je sais pas. Non, on se casse. On se casse. On va faire le tour de l'île avec notre bateau et on va à la deuxième. Allez, mec. Allez, on se réveille, les brigands, là. Ah, maintenant on a des brigands. C'est pas mal. Augmentez la vitesse. Est-ce qu'on remonte qui flotte, capitaine? Ah putain, je vais... Ah, c'est bon. Repliez la voile. Repliez. Ne faites pas chier les Athéniens. Ouh, c'est plein de pirates, ça, non? Allez, préparez les rames. C'est des pirates, ça? Là, pirates. Ça a l'air d'être précieux. Ah, vous prêchez! Si vous serez prêts! En avant! Après, suivez! Attaquez-vous! Ouais, ils font mal. Marchez! Préparez-vous! Lancez une volée! Plus de vitesse! Là, je vais me retrouver devant eux. Ouais! Servez-vous de feu! Allez, plus vite! Hop là! Allez, allez. Ils vont tirer une fois ou deux. Attaquez! Laissez brûler! Il n'arrive pas sur nous! J'ai vu! Accrochez-vous, allez! Lâchez les flèches! Préparez-vous à tirer! Il s'apprête à vous attaquer! Oh, vite, vite. Oh, très bien.
Hop là, très bien. Il n'y a plus à s'inquiéter. Très joli. Allez, on y va, avancez. Putain de merde. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, tu te débrouilles? Ouais, mais il les défonce, lui. Hein. Lui, j'ai même pas envie de l'enlever, en fait. J'ai vraiment pas envie de l'enlever de l'équipe. Ah, putain de caméra, si tu la bouffes, tu peux plus récupérer. On va aider Athènes. Non, c'est quoi ça, des civils? C'est quoi ces dragons en fait? Allez, on les envoie chez Hadès aussi. La caméra elle s'est bloquée. Ah, c'est parce que j'étais monté sur un truc. Les mecs, je suis tout seul. Non mais je suis complètement seul là. Non, c'est bon. Putain, la réaction de... Ah la pute, quoi. Très bien. Allez, élan ! Les archers, devant ! Avancez ! On va le défoncer et l'aborder. Waouh ! On l'a coupé en deux. Je crois que ça c'était un truc critique, ça, en fait. Genre on a défoncé, on a cassé la... On est allé dans le... Tu sais, les parties faibles là qu'on détruit. Des fois on fait des trous. Je crois que c'est ça ce qu'il vient de faire. Ça coule direct. Bon bah très bien. Allez, on va s'approcher de ces débris. Ça marche.
Attends, on est où exactement? Ça marche. Donc à droite. Préparez les rames! Là! On peut repêcher ça! Oui. À vite les rames! Pas le point. Plus de rame. Ok, on est bon. Quand des putains de requins partout, c'est bien. Ah, que ça me fout de faire ça, putain. Voilà, je préfère. Au moins 3, je crois. Hammer ! Stop, 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 stop. Nous allons attendre le retour du capitaine. Vous pouvez pas... genre sortir et... aller à la pêche aux requins. Trois à tuer, ils sont juste en dessous. Quoi. Je me suis mal mis. Ok, un. Non, c'est... wow, doucement les Athéniens, ça va? On fait la pêche aux requins. C'est pas interdit. Ce sera interdit dans plusieurs centaines d'années. Ouais, il en reste un. C'est quoi ça? Ah mais vous êtes méga pris. Alors je sais que peut-être qu'on est dans les le passage en fait de bateaux maritimes et tout, enfin de bateaux de marchandage, je sais pas. Je sais pas si ça passe en fait. Je crois qu'on est nickel. Vous n'avez pas découvert ça? Si. Si. Ok. Je pense qu'on est bon. C'est reparti sous le... je déteste ma vie. Ah putain, pas l'oiseau. J'ai eu peur, ça m'a fait peur quoi. Putain, vas-y. N'importe quoi. Je vois rien. Aïe. Ça m'a fait sursauter quoi quand j'ai fait l'oiseau au lieu de maintenir. Aïe aïe aïe. Allez, les fonds marins, c'est une catastrophe. À chaque fois, je le répète, mais putain, vous imaginez même pas. Putain. C'est même pas moi qui... genre, j'ai pas de... comment dire? Nous, on doit aller là.
Genre j'ai pas de contrôle en fait. J'ai pas de contrôle sur cette panique là. Des choses à remonter près d'ici. Et toi ? Ah c'est... Oui. Ah ça va. Je vais être honnête, les brigands, c'est pas trop mon kiff. Nous, on avait quoi ? Je crois qu'on utilise... Oui, on utilisait les Égyptiens. Les pirates de léger, j'aimais bien. Nous avons de quoi faire brûler ces serpents. D'accord. Attends, vous appelez ça amarré ? Parce que moi, j'appelle ça... pas amarré. Je crois que ouais, ça m'avait arrêté le... animation. Ville de Mykonos. C'est mignon ici, sympa. On va foutre un bordel monstre, comme d'habitude. Excusez-moi, vous avez un forgeron? Bonjour, je viens d'arriver. Vous avez un forgeron, les mecs. Temple d'Artémis. Waouh, c'est méga grand. Mykonos est bien plus animé que Kefalonia. Marcos se plairait ici. Ouais. Genre avec leur... Si tu as des questions, je t'écoute. Avec leur épidémie là, où tout le monde est mort maintenant, ou mourant. C'est abusé. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On garde des armes ou pas? On va garder quelques armes quand même de différents types. Enfin, si elles sont violettes en tout cas. Il me rend fou cet arc. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un moyen de verrouiller les choses et je le connais pas. S'il te faut autre chose, dis-le moi. Donc pause, ça fait pas ça. Et joystick. Y, non. Compare, non. Je sais pas, je deviens fou avec ce machin. C'est bien ça ou pas? Ah oui, bon, ouais. C'est pas parce que on a vraiment besoin d'argent que je fais ça, mais tout simplement parce que ça va plus vite. J'ai pas envie de passer 3 heures. Je vais voir. Ah, c'est un cheval. T'as un cheval. Ok. On avait dit que il fallait pas améliorer les armes et que pas quoi. Ah oui, le bateau aussi. Il faudrait pas faire les améliorations encore. J'avais un peu oublié ça. Ça fait cher. Alors, faut voir un peu l'équipement que t'as. Bâton 32. Les dagues, c'est pas trop mon kiff.
Non, t'as rien d'intéressant. Merci d'être venu. Pas de rien. Ouh, qu'est-ce que c'est grand. On va voir un peu s'il y a des choses à voler. Soit on est un voleur au final. On est... Honnêtement, on est plus un voleur qu'un assassin. Hein. Demeure de dirigeant. Ah, ben le dirigeant, il a l'air sympa. Cet endroit sera en alerte. Le dirigeant a l'air méga sympa. Il y a un fort à côté. Putain, il y a un fort juste à côté. Ah, ça tue. Ok, ici on va s'amuser, je pense. Ici on va s'amuser. Toi, non, toi non. Toi, non plus. Alors les coffres. Ok. Non, ça, on verra ça après. On est prêt. Ah oui, cheval, on va le changer. On avait dit qu'on changeait des comptes. On dirait une vache. Allez, c'est parti. Tan 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 la la. Tan tan tan. Il y aurait quelqu'un là-bas. Ouais. Ben, faut qu'on reste caché quoi. Mais là on est tellement pas discret. Voilà. Tu n'es plus qu'une ombre. Discrétion sur 20. Ça sert à rien ce système comme ça là par contre. Faut vraiment que le mec soit genre au bord d'une falaise, à la limite d'eau. Au dos de la falaise quoi. Passe. Ça c'est pas mal qu'elle puisse se balader avec le corps sur le dos par contre. Ça j'avoue c'est un truc cool. Parce que j'avais peur qu'elle puisse plus rien faire en fait. Mais en fait si. Le coup de refaire triangle, de refaire Y, désolé, voilà. J'ai tiré la flèche au lieu de m'enlever du ciblage. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, on m'a vu. Toi, tu m'as pas vu par contre. Ça va ? Putain, qu'est-ce qu'on est efficace en tant qu'assassin ? Oh là là ! Presque.
Très bien. Ouais, c'est un peu lent là, lent, comme ça. Tu fais. Oh mon dieu. Sa stratégie pour esquiver les flèches. C'est bon, on a foutu le bordel sur l'île. Ouais, quoi que, attends. Ouais, on est un peu... Sans deck. Si je te retrouve, je te casse la tête. C'est toi qui as balancé la... le poison. Putain, t'es pas tombé. Oh, oh la... vache quoi, putain d'enchaînement de merde. Quel enchaînement de merde. Pute ça. Non. Je suis gêné de me soigner parce que... à cause de leurs attaques là, qui font méga mal. Elle a entendu quelque chose. Par moment. Je ne me relèverai pas de ce combat. Mais si si, moi ça va. Si si. Si si, moi ça va tranquille. Bon ouais, la lance ça m'a un peu saoulé. Un dague, c'est pas top. Si on a une épée, je vois pas pourquoi on utiliserait des dagues en fait. Donc on va devoir changer. Mais par contre, la lance, ça m'a gavé. Je suis pas très fan.
Est-ce qu'on descend? Bien, là-bas il y a un coffre. Très bien, il manque quoi? Il manque des coffres. Ah putain. On n'a pas tué tout le monde encore. Rectification, tout le monde est mort. Ouh, ah non mais c'est bleu. Ça peut être pas mal, hein. On n'a pas regardé à la dépense. Pas vraiment, c'est la graisse, hein, ça a toujours été comme ça. 35. Puis j'imagine la corruption, ça devait y aller, hein. Ah putain, c'est par où? Ouh, qu'est-ce qu'elle m'a gavé cette baraque? Oh la vache. Est-ce que notre Mistios elle est un peu teubée? Elle sait pas ouvrir les portes. Ah 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 ah. Épée niveau 33. Dégâts solatiennes, dégâts de feu. Très bien. 33. Tu vois comment elle est? Elle est jolie, c'est une épée toute droite là, j'aime bien ça. Bon du coup, pas les dagues. C'est bien parce que je suis pas très fan. Un arc qu'on avait vu, 33. Le gars tire à l'arc chargé, chasseur. Ouais, mais il est vraiment bien le nôtre. Il est vraiment bien. Ah, on peut mettre des gravures sur nos armes. J'avais oublié. Pourquoi t'as ça de marqué? Que puis-je te proposer? Des gravures, gros. Faudrait des dégâts de feu si on peut. Oui, on l'a déjà. Dégâts de feu et accumulation, ça on n'a plus. Donc ça c'est très bien. ~50% de dégâts avec aptitude de cri de guerre d'Arès. C'est pas abusé du tout, c'est bien. Ça, ça vient de notre équipement en or là qui avait été offert. On peut mettre des dégâts de feu sur celui-là. Donc j'avoue peut-être que la gravure elle a un peu abusé. Ouais. Accumulation d'élémentaire. Armure totale, c'est bien ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les gravures... T'as 1% à tous les dégâts, c'est pas vraiment top. Qu'est-ce que je vais dire?
Les gravures sont pas très très... sont pas chères et tout ça, donc c'est cool. Donc ça, on peut, ça, ça demande pas vraiment des ressources rares, quoi. Donc on a 50% dégâts avec Ridades. Attends, mais sur un... Dégâts de feu accumulation. Ah oui, feu accumulation, ça se met pas là. Ça se met pas là. Donc on a 50% dégâts avec Adjus cri de Ares. Ares, c'est bien le notre buff, c'est ça, hein. Cri de guerre d'Ares, oui, c'est ça. Donc on a quoi? On a plus 50% de dégâts? En plus du 30%, c'est ça? Alors, tir à la tête, 170%. Dégâts athéniens, 16. Probabilité de coup critique en, à pleine santé, 19. Poupouille, 19%. Dégâts de feu, plus 75%. Bon, la durée, ça dure pas longtemps, mais on a 75% de dégâts en plus. Ça, c'est cool. Ça va, c'est cool. T'es qui, toi? Ok, Alos, le chasseur. Ah, t'es vénère. T'es vénère, gros. Tu veux vraiment la jouer? Regarde-moi ça, comme il trace le mec. Il court plus vite que moi. Hein. Ça aussi, ça, c'est un truc qu'elle a pas, c'est un sprint. Et ça, je le reproche, par contre. Là, je trouve ça vraiment con qu'il lui ait pas mis un sprint. Ouais, tu me cherches, je suis là. Ah oui, non, les dégâts, ils sont abusés. T'es mort. Omao Amu Shindir. Ah non. Ah, il va me tuer, ce con. Bon. Voilà. Non, il avait trop de vie. Bon, j'avoue que le cri d'Arès, là, il fait très mal, du coup. L'hôtel d'Artemis. Le historique. On va faire le fort, il a l'air fun le fort. Qu'est-ce qui se passe? On peut pas faire des émotes. Bien joué, Athénien. Avance. Vous risquez d'être blessé. Hey. Bien joué. Dirigeant découvert. Oh putain. C'est un peu simple, non? Oh, copain. Non, le dirigeant, il est nul. Ouais, puis toi, t'auras pas de garde du corps. Hein. C'est les îles d'argent, là, c'est... Bon, on a un copain à se faire. Voir un peu notre rançon. 700. Ouf. Va faire mal.
Je me demande si je peux... Ah, je vais encore tester, hein, mais... Si je veux éviter un combat, je pense que ça va mal se finir, cette histoire. Super. Terrible. Quoi? Bordel, ça commence bien quoi. Celui qui a fait ça va le payer. Ah, cette truc automatique là. Il aurait fallu investir un peu de cet argent en travaux. D'accord. C'est pas méga discret en fait de le mettre là. C'est pas grave. Ça, je devrais faire ça en fait, à chaque fois d'essayer de les faire passer par-dessus bord là. Pas par-dessus bord. Par-dessus le muret. Je devrais juste monter sur le muret. Intéressant. Il y a quelqu'un ? Ouais, cette façon de se cacher automatiquement. Je sais même pas là si on est caché, là on va se faire voir. Par contre, là on est mal quoi, je vais devoir lui foncer dessus au mec. On lui a fait... Tu disais ? On lui a fait perdre son bouclier à faire ça, c'est bien. Ça aussi, merde ! D'accord. Ça aussi, je trouve ça cool que ça dépend des fois les prises. On peut leur faire perdre leurs armures. Enfin, leurs armures, leur équipement plutôt. On va s'occuper de la... du feu. Faut qu'on s'occupe de notre copain aussi. Ah, j'ai cru que c'était un soldat géant. La statue. Ah, bon chien. C'est marrant qu'on passe à travers ça, ça a pas l'air solide du tout. Il y a un mec là-bas. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est utiliser le buff d'Arès et après tirer avec notre arc. Je suis sûr que ça marche, je suis sûr que ça augmente les dégâts. Ah!
Bon, c'est parti. Le mec qu'on doit sauver. C'est pas lui qu'on combat là. Non, c'est pas lui. Non. Il est bien marqué. J'ai cru que le marquage avait sauté. Bon, désolé mec. Ça. Bien. On va se faire lui. Ah, ce serait bien de le faire tomber. J'ai rien pour te faire tomber en fait. Ah ouais, là le coup de pied, ouais. Le coup de pied. Mais bon, tout comme, non, on se débrouille pareil. What the fuck? Fais quoi là exactement? Putain, j'arrive pas à le... Trop bien. Un truc intéressant, je crois qu'on peut faire des combos en changement d'arme. Waouh, il a été tué par par le fait de tomber quoi. Bon, on va s'occuper de notre pote.
Mais non! On peut être les meilleurs amis du monde. Bon, déjà, il va falloir que tu apprennes à combattre sans bouclier. J'aime bien le fait qu'on soit invincible. Quand on fait chaque habilité, on est invincible. Tu connaîtras bien le fait. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Viens naviguer avec moi. Ah, elle était violente la liberté, hein. Démocratie, gros. Comme ça, démocratie. Toi aussi, tu peux être un copain. Ah merde, la coiffure. Ah oui. Faut que ça soit une copie, non, on est d'accord. Putain, j'ai déjà oublié quoi. Voilà, pute. T'as l'air un peu dangereuse toi. Oh vas-y, tu recules et... Ouais non mais toi t'es dangereuse. Ouais. Oublie cette vie et viens naviguer avec moi. Il me semble avoir vu quelque chose. Non. Oh, comment ce corps est arrivé là? Non. Non. Comment ce corps est arrivé là? Non. Putain, par où on passe? Très bien. Ça, c'était marrant. Un peu de combat, un peu d'assassinat en même temps. Ça s'est drôlement bien passé, j'ai envie de dire. Hmm.
On a encore un autre mercenaire. Ah là on est pourchassé hein, par contre. On fout tellement de bordel. Ça va. Ah, avec ma torche, avec ma flèche, j'ai allumé directement. Ah, c'est pas si mal en fait. Oh la pute, ça l'a pas détruit. D'accord. Ça a brûlé en fait ce qu'il y avait par terre. Tiens, saloperie de bestiole. Où tu vas, gros? Tu sais même pas où tu vas. Ah, c'est ça. Quelqu'un vient de m'aider. Je vais être honnête, je suis pas très fan de combattre là. On peut faire assez mal avec ça, hache à la con. Genre c'est ça un mystieux... Mais t'en es pas un hein. On est d'accord que ça veut dire... Ça veut dire... mercenaire, mystieux. Eh bah. T'en es bouffé toi des attaques. Hein. Le mec il réagit pas. Genre le mec il se prend une dague dans les côtes là. Et le mec oh. Ok. Apparemment je vais devoir combattre quoi. C'est énorme quand ça fait ça. Bon par où on passe? Nickel. 16 000 de faire le fort, putain. J'ai un mec qui vient de débarrouler. Ah non, si. C'est parce que j'ai récupéré... Je vais récupérer une lettre là. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau qui est bien? Lance à 32. Ok, Cassos. Thank you.
Ouh. Il y a du monde. Putain. Très bien. On peut enchaîner sur autre chose. Ah, nique-toi. Râle cul de l'eau. Ah, on va devoir y aller parce que c'est à côté, c'est ça. Non, par contre, j'ai pas de bateau là. J'ai une barque. Là-bas. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Pinceau ralenti. Inutile. Bon, si la barque fonctionne, on peut y aller. Faut tout simplement tuer les requins. C'est quoi ça? Des fleurs? Bon, allez. On se fait violence, let's go. Merde, ça marche pas, si. Waouh, le truc. Le requin géant. Il est où ce con? Je l'ai vu, hein. C'est quoi Ajax en fait? Je vois ça souvent en fait. C'est ça définit quelque chose ou c'est une personne? Bon. Je pense qu'on est bon, c'est vraiment pas loin. Let's go. R gros. Tout ça pour de la merde. Horrible ces trucs. Il
Aïe 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 aïe. On voit R. Ça va l'atteindre. Fais ton jogging. Ouais, moi aussi. Ça va l'atteindre. Éloignez-vous. Qu'est-ce que ça? D'accord. Ça marche. Là, on a des ruines. Allez, Phobos. Ça a l'air pas mal, les ruines. Ah non, il va bien, le cheval. Il fait exprès, il fait exprès. Ruine de Lycos. Voir un peu ce que c'est. Ah putain de merde. Est-ce que c'est un peu exagéré? Oh merde. Oh merde. Saloperie quoi. Très bien. Ruine de Lycos, c'est une blague parce que Lycos était. C'était un moteur de recherche, Lycos, je crois. C'était un chien, non? Je sais plus. Ok, là-bas, là. Là. Et là, là, c'est quoi? C'est un camp? Là, il y a un camp. Ah non, c'était Spartiate, ok. Oh, on a foutu la merde chez les Athéniens, pourquoi pas faire pareil chez les Spartes? Enfin non, ils ont l'air tranquilles, non? On va voir. Ça va les mecs? Je peux rentrer ou pas? Oh, apparemment, je peux rentrer. Non, c'est peut-être c'est pas mon cheval, donc bon, on va peut-être pas exagérer non plus. On va peut-être pas exagérer de leur hospitalité. Un Sparte en moins. Deux Spartes en moins. Les Athéniens gagnent. Bah, attends, il y a d'autres cadavres en fait devant. Ouais, mais les Athéniens en fait. Bon bah les deux Spartiens. Spartiates ont. Spartiens. Bon, les deux Spartiens, ils ont tué les Athéniens. Deux Athéniens. Puis après ils se sont fait tuer par deux autres Athéniens. Ah mais je l'avais tué en plus. On a combien? On est quasiment plein d'adrénaline. Si on mettait tout le monde d'accord. Voilà.
On a mis tout le monde d'accord. C'est bien. Île de Barracuda. Ah, c'est des pirates, ça. Et marins d'eau douce. Harcelé. Ah, voilà. Attends, je l'ai fait ou pas? Oula, qu'est-ce qui se passe? Tu peux voir? Ah, il est en train de l'attaquer? Non. D'accord, ça serait... Je sais pas ce qui... Est-ce que j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas? Est-ce que ça a annulé le truc? Je sais pas. Prends pas feu, s'il te plaît. Ok, cool. Ok. Pas grand monde hein, ici. Tu crois que tu me permets ? Un peu, ouais. Je me demande si elle a dit ça parce que j'étais en train de voler. Genre tu te crois tout permis. Ça me paraît très logique. On peut tirer sur les navires qui passent. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, on a une quête ici. Mais on va aller là-bas. Ouais, on a un nouveau joueur. On va devoir faire gaffe. On va aller récupérer la quête d'abord. C'est une musique. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Des oh, ça fait longtemps. Ont volé tout l'argent destiné à ma pièce. Non. Que vais-je faire pour en payer les décors? Je sais pas. Voudrais que je te donne de l'argent. Oui, tout ouais, l'argent ouais, que va. Tu donneras sera utile. Très bien. Voilà. Il est où le cheval à chaque fois? Merde, ça va pas tuer, tu vois. Je tue pas les chèvres par plaisir, hein, juste au cas où. C'est juste parce que à chaque fois que je prends un petit bout d'adrénaline, ça me finit la barre vu qu'on n'est pas en combat. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, dès que je peux, je le fais. Du coup, on est toujours plein. Merde. C'est bon. Ça va, il nous a lâché. Oh, toi t'es copain toi. Toi t'es copain.
qu'on en a... Ouais, mais il est 30. C'est quoi ça? Casque de Thaletas. C'est un casque partiate bosselé qui a survécu à la bataille des Thermopyles. Contrairement au grand-père de Thaletas. Sympa. Ça sert à quoi du coup ce genre d'objet? Ah, il est là notre pote. Je sens que lui on va devoir le. Enfin on va devoir tuer tout le monde. Bien évidemment l'autre. C'est un peu la merde là, j'avoue. C'est pas... Le camp il est tout petit. Je sens que ça va être juste un combat acharné en fait. La presse. Ah. Un lion. Ah, attends, toi. Non. Est-ce qu'ils vont me voir ? Comment il s'appelle lui? Théron. Je vois un truc parce que j'ai changé de type de flèche parce que... Ouais non en fait non. Je pensais que ça utilisait les flèches spéciales mais en fait non. Ça je crois que ça peut. Les flèches fantômes. Ça aussi maintenant. Enfin oui si ça le faisait avant mais ça aussi ça peut. Ouais, je me demande ce que c'est les prochaines flèches. Là il nous en manque une. J'espère que c'est des... Genre des flèches basiques mais genre améliorées. Ce serait cool. Ah, ça y est, on m'a vu. Comment tu fais ça? Je suis magique. Merde, c'est toi, Théron. On est là pour recruter Théron. Bon, Théron, tu fais chier quand même. Oh.
Mon terron. On discute. Rejoins mon équipage. Tu ne le regretteras pas. Oh, 33 violets. Ça, ça vaut le coup, ça va. C'est un probabilité de critique en plus. Et on pourra lui mettre. Ouais, des dégâts de feu. Ouais, c'est pas mal ça. Il est un peu moche, non? Ouais, c'est un arc banal quoi. Nickel. Donc ouais, il y a l'aigle des fois qui vient nous aider un peu vite fait quoi. Rien de très, très excitant, mais c'est déjà pas mal. Bon, on va monter sur la statue et puis après on va aller au temple. Artémis des terres sauvages, maîtresse des animaux. Ils ont fait, ils ont passé leur temps à faire des statues, les Grecs. Ouais, ben. Ben, c'est bien, hein, mais putain, c'est là-haut. Oh, c'est sur la flèche, quoi. Pas mal. Pas mal. Ah, en plus, c'est pas Artémis, c'est pas une qu'on doit faire pour la quête là. Je crois qu'on va pas finir l'île dans cet épisode. Pas sûrement l'épisode prochain, et puis on partira sur une autre île encore sur l'épisode prochain. Qui mettent deux synchronisations aussi proches l'une de l'autre, parce que c'est des voyages rapides en pratique, donc bon, genre c'est quoi le but? Genre si vous mettez un temple très haut à côté d'une statue, genre juste garder la statue quoi, pour le voyage rapide, peut-être pas autre chose, enfin, je sais pas, pour moi je trouve ça, bah, y en a encore un là quoi, genre, et là y a rien. Genre, pourquoi? Ça pas vraiment de sens. Taverne. C'est bien ça, la taverne. C'est pas un lieu aussi. Putain, on trouve des bons marins à la taverne. Putain, j'arrive pas.
Ah oui, c'est vrai. Le lieu sera bien défendu. Fais gaffe à notre pote, toi. Ouais, c'était peut-être un peu overkill, vu que en deux baffes, je le massacrais, le mec. J'offre la liberté et de l'argent à tout mon équipe. Ça serait trop bien qu'elle gueule pendant la rage d'Arès, genre « Ouais, je t'offre la liberté! Viens avec moi !» Non, ce serait drôle. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qui peut être marrant. Par contre, on a eu un casque qui a l'air pas mal. Soldat spartiate, dégâts de feu... On pourra lui rajouter des trucs. Ordre d'exécution du transfuge. Les collines de Kintos. Okay. Merde. Je vous ai pas touché, hein. Faites pas genre. Le bordel. Pour finir, on fait un petit combat. Ah, oh putain, ça va être un combat marin. Parce que c'est une île. Oh mon dieu. Tiens, on a encore pour chasser. Du coup, nous, on veut jouer contre avec les Spartes. Là, ils sont côte à côte, les mecs. Porteuse d'aigle. J'ai entendu dire que ton navire et ton équipe... Genre, ils essayent de recruter, genre, côte à côte. Que dirais-tu des Spartes à porter un coup à la flotte athénienne? Compte sur mon équipage. Montrons-leur que notre colère vaut celle de Poséidon. Ouais, ouais. Je préfère avoir la colère d'un U-boat, mais comme tu veux. On va essayer de faire le petit derrière là. J'ai le petit. Waouh, les boulets de flèche. Merde, on est... Non, ça va. Ta bouche. Merde, putain de...
va bien le finir là. Très bien. Ils sont fait défoncer les autres. Ah, on peut pas la perdre celle-là du coup. Vous y allez ou... D'accord, il faut que ça soit moi qui y aille en fait. Et après ils attaquent. Du coup, on a perdu. Il y a beaucoup à faire. Et beaucoup de allez ! Malaga ! Ils vont nous détrôner ! En avant ! Allez ! Il a pris cher. Qui c'est qui prend de l'allure, hein? Okay. En fait, faudrait peut-être pas faire de l'abordage tout le temps quand on fait des combats. Voilà, on a perdu, on s'en fout. Hein, mais... Oh, il y a des requins, je crois. Ah, les requins, ils s'amusent. Hein. Oh mon dieu, c'est... Ah ouais, j'ai vu ça. Nous sommes à pleine allure. Ah, on est bon. Ah, il y a même les... Enfin, je pense pas qu'ils tiraient sur nous, ils tiraient sûrement sur les voyageurs à côté.
Bon, bah on a survécu. C'est le plus important. Maintenant, la question, c'est... Tiens, l'autre, il a pris la mer pour aller nous combattre, quoi. Donc, du coup... Ah, oui, le... Donc, c'est bon, ça marche bien comme ça. Oh, il y a une croix. Le gouvernement, du coup, maintenant, c'est... Vu que c'est Sparte qui a perdu, bah, c'est Athènes qui revient. Ça va. Donc, ça marche. Mais... Que sur les combats navals, en fait. Pas sur la terre. Sur la terre, on se fait tuer, en fait. Quoique non, en fait, non. Non, on avait perdu avec la barre une fois. Genre, elle était vide, mais le jeu nous a dit de recommencer, en fait. Il nous a pas dit de... qu'on avait gagné, ou enfin, qu'on avait perdu et que c'était fini, quoi. Genre, on n'avait pas échoué. Après, honnêtement, je sais pas si on n'a pas échoué parce qu'on s'est trop éloigné. Parce que... Il restait encore des bateaux, hein. Il restait encore des bateaux... spartiates, hein. Je sais pas. Perplexe. Mais bon, c'est pas grave. On a survécu, c'est le principal. J'aime bien parce que les mercenaires, ils prennent le bateau. Parce que celle que j'ai vue là sur la carte tout à l'heure, on l'a déjà vue à pied. Donc c'est pas genre des mercenaires qui sont... comment dire... Qui sont... Spéciaux, genre... Comment dire... Genre qu'on va combattre que en navire, c'est juste des normaux qui vont des fois genre juste prendre un bateau quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont vraiment activement en train de nous chercher, c'est bien. On va faire ça, on va s'arrêter. C'est quoi cet endroit? De Porphyrion. Oh merde. Ami ou ennemi? Ami. C'est moi ou vous avez les yeux qui brillent? Où est-ce qu'on est? Je peux parler à un dirigeant ou... Bonjour. Bon, ok. Moral véné. Ah. Par contre, il y a un coffre. Mais je sais pas si le coffre est dans la grotte, en fait. Mais c'est quoi cet endroit? Des gens qui vivent là-dedans. Au début, je me suis dit, ah, c'est peut-être une arène et tout. Mais en fait...
nous mènera à la victoire. J'égorge tous ceux qui se mettent sur son chemin. Kira ? C'est qui ça, Kira ? Bon. Kira nous mènera à la victoire. J'égorge tous ceux qui se mettent sur son chemin. Ah, on n'est pas allé là, je crois. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je suis confus. Ouh, les chauves-souris. Ouais, c'est peut-être un truc plus tard. Vous avez des lampes qui pendent comme ça? Putain, on dirait Venise quoi. Ok. Bon, prochaine fois, on a que là qui manque. D'accord, j'ai pas de marqueur. Ouais, on va s'arrêter là de toute façon. On va s'arrêter là. Ça va, c'était bien, c'était fun. C'est un peu bête qu'on ait perdu le combat naval. Mais ça c'est... Honnêtement, on a perdu très vite. Donc je suspecte qu'on soit sorti d'une zone en fait. Qui est une zone pour le combat naval. Et du coup, on s'est un peu trop éloigné quand on a voulu... attirer les autres bateaux là pour faire des manœuvres. Je pense que c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. On continuera la prochaine fois. On finira ce lieu là-bas. Et après, on changera d'île hein, du coup. Fais voir un peu qu'on regarde la carte. On a ici, ça a l'air pas mal. Naxos. Et après, on a encore Paros. On a aussi Samos. Donc, ouais. On a encore du monde. Hein. On a encore des choses à faire. Ah oui, il faut faire ce petit lieu-là aussi. Ouais, non, c'est pas mal. Naxos, Samos, Paros. Puis après, on ira... Tiens, on a aussi ça. Seriphos. Ah ouais, on a du boulot. Hein. Mais bon, peut-être qu'à un moment, on va faire Attic. Je sais pas. Peut-être qu'après ça, on ira faire Attic un peu. Qu'on fasse un peu de l'histoire principale parce que ouais ça fait longtemps. Ça fait un petit peu de temps. L'aptitude. Ah oui, c'est vrai qu'on a monté d'un niveau. Notre navire, on a récupéré pas mal de mecs. Santé à tous les soldats de marine. J'imagine que le mieux, quand on fait des combats avec des bateaux comme ça, je crois que le mieux, ça serait de pas faire d'abordage et juste de les couper, en fait, les trucs.
sont jolies ces dagues. Genre on passe dedans quoi, on le coupe en deux le bateau et puis basta et on enchaîne en fait. Je crois que c'est ça le mieux. Allez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.